Parler à Jen. Quelle journée? Ah oui, alors. Heureusement que tu n'as rien. Non, ça va. Viens me voir à la station essence et on parlera récompense. Emprunte le tunnel qui est derrière. Ok. Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode sur le jeu Last Day on Earth. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 4 du second compte. Et donc, quatrième jour, voilà, je vais récupérer la petite batte qui est cadeau. Hop! Cra, et voilà, envoyé dans la messagerie. Parfait, la prochaine, ça va être le scotch, les caoutchoucs et il y aura enfin un petit Glock qui va être modé. Chargeur amélioré, lunettes point rouge, silencieux, pas mal, laser vert. Bon, eh ben ça va être plutôt bien tout ça. Allez, on va continuer. Donc, je vous avais laissé sur la vidéo d'hier sur une mort, tout simplement. Je m'étais fait défoncer par les gars. Alors, je sais plus où il est passé le truc. Je sais plus où il est. Ah voilà, c'est ça. Village quelconque. Village quelconque. On va y retourner juste avant. Donc, j'avais fait quand même un petit peu de farm hier soir pour m'occuper. Donc, on va aller. Vider le sac à dos et retourner chercher son petit cadavre. Donc là, je suis level 17 du pass de saison. J'ai encore de la marge avant d'arriver à mon objectif, mais bon, on va essayer de faire ce qu'on peut, hein. Et voilà, donc j'ai récupéré. Alors, le pistolet lance-fusil, lance-fusée vient de la connexion avec le Kefir-Id qui offre un lance-fusée. Ensuite, on a la batte et le jean renforcé. Alors, le jean renforcé, je sais plus d'où il vient, lui. 20 planches communes, ça, c'est la récompense quotidienne. Et les deux machettes, ah ben oui, ben ça c'est les caisses, c'est là, les caisses gratuites qu'on a tous les jours ici. Voilà. La boîte inconnue, parfait. Et donc là, la prochaine, c'est dans 11h42 minutes précisément. Allez hop. Guérisseur, qu'est-ce qu'il me propose? Ah, pas d'XP, zut. Ah, c'est pareil, j'ai essayé, hein, vous pouvez faire plusieurs allers-retours, j'ai l'impression que c'est toujours la même chose qu'il nous propose, tant qu'on ne choisit pas un des trois, malheureusement, il va rien nous proposer d'autre que ça. Allez, go, on y va, on va aller récupérer ce stuff-là, les vilains. Courir, village quelconque. Donc là, le village quelconque, en fait, on en est dans la story. Eh ben, au chapitre 4, en fait, on l'avait passé le chapitre hier. Donc là, on est au chapitre 4, mystère du passé. Alors que nous tentions d'ouvrir la caisse, j'ai perdu connaissance, j'ai repris mes esprits dans une maison. Comment ai-je atterri ici? Que va-t-il m'arriver? Ben voilà, on sait à peu près ce qui s'est passé, du coup, je me suis fait défoncer. Ok, ah ouais, donc ils sont toujours là, les gars. Il lâche rien, hein? Ah voilà. Ah, ça, c'est pas con. Mais oui. Aïe. Hop. Putain, il tape aussi que moi en fait. Ok. Ok. Mon sac à dos. Parfait. J'ai mon pied de biche, ma petite torche pour l'instant, je vais pas en avoir besoin. On va se mettre comme ça. Voilà. Je vais reprendre les câbles quand même, et puis le reste, c'est pas grave si je ne le récupère pas après. Alors, donc j'avais checké là, hein, il me semble. Ah ouais, c'est une note, ok. Découvrez ce qu'il se passe. Bon. Que se passe-t-il? Oh Dieu! Ils sont morts? Mais c'est. Mais pourquoi? Bon. Ici. Okay. Super. Franchissez la barricade. Ouais, je veux bien. Je sais plus du tout comment on fait. Je ne me souviens plus. Ah, ça doit être là. Ah oui, oula. Je vais vous faire la peau. Tu vas crever, gars. Bah ouais. Mais enfin. Ouah, et si chaque pilleur me demande autant de carottes, ça va pas le faire, là. La vache. J'ai peur. Ah, mais c'est pas là aussi où je vais me faire assommer, je vais me retrouver coincé quelque part. Truc dans le genre. Inspecter le village. Fermer à clé. Okay. Vas-y, battez-vous. Putain, mais ils crèvent tous, mes potes, là.
Ils approchent, préparez-vous, protégez vos familles. Ouais, vas-y. Ah non, il lève les bras, ils se sont rendus. Donne-moi la caisse et tout ira bien. Mais nous n'avons pas de caisse, et même si nous en avions une, voilà quoi. Ah, ils ont un otage. Hé boss, regarde ce qu'on a trouvé, la cargaison était cachée. Tu viens avec Bou. Vous avez vu, c'était écrit. Tu viens avec Bou, Bous. Génial. Après l'attaque des pilleurs, c'est le chaos. On risque de ne pas s'en sortir sans toi. D'accord. Aide les survivants du village. Alors, qu'est-ce qu'il veut? Lorsque les bandits sont arrivés, j'ai entendu les chevaux hennir. Je dois aider les autres villageois. On va voir ce qui se passe. Ah oui, c'est là où il y a un cheval sur le toit, non? Il me semble. Où il y a eu un cheval sur le toit. Affronter les pilleurs. Comment j'aime pas ça. On va se mettre comme ça. Allez. Il m'a bouffé toutes mes carottes. Je sais pas ce qu'on ferait sans toi. Bah pour l'instant, ça se passe bien, mais va pas falloir compter sur moi longtemps, je pense. Ok, allez. Y a pas des groseilles là? Pour me nourrir un peu quand même? T'as pas des soins dans le sac là? Franchement? Ah mais attends, je crois que je dois en soigner un en plus, purée. Et ouais, et ouais. Ouais, ok. Allez, toi, qu'est-ce que tu veux? Le vieux Chuck s'est fait attaquer sous mes yeux. Mais là, ici, tu peux aller voir comment il va. Ouais, bah c'est exactement ça. Il ouais. Faut que je le soigne. Purée. Chuck, salut. Deux, bah voilà. Et puis moi, je me soigne pas, quoi. Allez, tiens. Eh, franchement, j'ai bon cœur. Hein. Vas-y. Donnez. T'as un vrai don du ciel, mille merci. Bref, ouais, vas-y, je t'en prie. J'ai l'impression qu'on n'a pas fini d'entendre parler du vieux Chuck. Et le dernier. Ma chienne. Mais ok. Mais. Chienne Daisy était dans sa niche quand les pilleurs ont attaqué. Ramène-la. Mes chiennes? Mais. Chez. Oula. Voilà. Qu'est-ce? Ah oh, putain, encore un pilleur. Non. Voilà! Mais ouais! Allez, tiens! Tiens, toute! Oh! Placé! Moi aussi, je mange! Hop! Hop! Ok, là, on est bien! Y a un mec mort là! T'as du stuff, toi? Vas-y, mange! Ouais. C'est bizarre le chemin qu'ils font prendre quand même pour. Hop. Mais oui, il a du stuff, le gars. Vas-y, Jean. Jean. Mission accomplie. Gna, gna, gna. Allez aux falaises calcaires. Et à présent, ramenons le. Prépare tes armes, les pilleurs. Ok. Bon, ben voilà. Allez, eh ben on va poursuivre. On va poursuivre l'aventure. A few moments later. Alors. Story. Mission 2, ouais, chapitre 4, mission 2. On ne peut pas laisser les villages se faire attaquer impunément. Un des résidents a entendu dire que les pilleurs avaient monté leur camp à la décharge qui est à l'est. Bien. Voilà, on se retrouve aux falaises calcaires. Donc j'ai vu qu'il fallait 22 d'énergie pour y aller. Donc c'est plutôt cool puisqu'il va me rester pile 22 d'énergie pour revenir à la base et donc réactiver derrière le guérisseur. C'est comme ça qu'on va réussir à faire le maximum de à utiliser, on va dire, le maximum d'énergie. Alors là, j'ai toujours mon pied de biche apuré. Apuré, je crois bien que c'est là où il y a le mec avec son VSS là qui nous tire dessus. Bon ben là, il y a des chances que je faille là. À mon avis, je vais crever. Mais je crois que c'est là ouais, que ça se passe. Alors, tous les prisonniers, dégage de là, activez l'interrupteur. Boum!
Ils ont... Oh! D'accord, bon ça va, peut-être j'ai eu... Hop. Ah non. Ah, c'est bon. Mais quoi? Ah mais non, faut quand même que je le tue, le gars. Bon ben voilà. Soyez le prisonnier du camp des pieux. Putain, mais je pensais qu'il me tuait... Bon bah écoute, tant mieux, hein, c'est bien. Explorer la décharge. Ok. Mordeur rapide. Là, il y a plein de points d'exclamation. C'est plusieurs. Ah, j'aurais dû le... Eh, je suis un boulet, j'aurais dû le laisser faire, en fait, le gars, là. Au lieu de le tuer. Toujours tuer, 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 tuer. Non, mais franchement, prenez votre temps. Prenez votre temps. Bah ouais! Oh putain, je suis mort. Ouah, ils vont me tuer. C'est sûr. C'est sûr. J'ai même pas le temps de les taper. Vas-y, je dégage. Ah! Bah oui, je suis mort. Allez, au revoir. Je vais prendre mon Glock, hein. Je crois que j'ai pas bien le choix, là. A few moments later. Allez! Et ouais, là, du coup, on se fait le chapitre 4, en fait, en entier. Ouais, bah ce sera bien, ce sera bien. Allons récupérer ce stuff. Qu'est-ce que j'ai sur moi? Je me rappelle même plus déjà. J'ai pris... Alors j'ai pris Glock, ça ok. Ouais, la tenue, ça marche. On va... Du coup, je vais peut-être me le faire lui en fait avant... Merde, c'est où le chemin? Oh Dieu, je me rappelle plus du chemin, ça y est. Ah oui, c'est comme ça, ok. Je vais peut-être me les faire avant. Parce que là, il est face à moi en plus. Vas-y. Ouais, il me donne rien. Ben ouais, je sais bien que t'étais là, gars. Tu crois que je t'avais pas vu? Ok. Les autres, ils se pointent pas. Non. Allez, hop. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est ok. Tiens, il y a un soin. On va le prendre comme ça. Ok. Il y a les casseroles ici. J'ai mes 8 bandages. Hein? Ah, mais j'ai cassé le fil, du coup. Il me voit plus. Ouais, faut quand même que je les tue, quoi. Vas-y, on va y aller. Et d'un... Ah, il fait mal malin, là! Non mais oh! T'as cru quoi, gars? Salut! Viens plutôt nous aider. Bah, ouais, s'il te plaît, quoi. Aider à déblayer les débris. Je suis pas non plus... ça va, quoi. Je les entends parler, on y est presque. Inspecter la décharge. Je fais que ça. Hein. Inspecter, inspecter. Pile. Ouais, mais pff, putain, j'aime pas ça. Eh, vous avez intérêt à m'aider, les gars. Franchement. Vas-y. Ouais. Ouais. Ah, ouais, non, ils disparaissent, ok. Là, il y a un truc à checker. J'ai déjà checké, non? Ouais, je crois que j'ai déjà checké. Oui, oh, ça va, j'ai compris, c'est bon, allez. Comment je la sens pas cette affaire? Ah mais ça y est, je me rappelle. Je crois que je meurs là. Je crois que là, je suis obligé de mourir, il me semble.
Ouais, d'accord. Si t'arrives pas assez vite, tu lis rien, quoi. Laissez-le partir, on s'en ira sans faire de mal à personne. Je ne crois pas. Je crois que là, quoi qu'on fasse, on est obligé de mourir de toute façon. Donc, ouais. Ouais, c'est exactement ça, ouais. On peut rien faire. C'est naze. Oh! Il bug. J'ai pas compris ce qui s'est passé là. Et je suis pas censé mourir, moi? Ou être assommé, ou je sais pas. Un coup, hop. Non. Bon, alors. Papa. Vous ne mourrez pas vivant! Ouvrez le conteneur. Boum. Emmène-le au village, on verra ce qu'on va faire de lui. Bien! A few moments later. Allez, j'ai fait un petit détour à la base évidemment pour poser mon stuff et reprendre quelques conserves. Le guérisseur est bien revenu. Alors j'ai utilisé une pub hein, du coup pour revenir à la base. Manger et regarder, et puis on se retrouve directement au village. Allez, on y est. Alors, donc ils l'ont récupéré, ok. Ah oui, ils lui font creuser sa tombe. Vous allez payer à présent. Continuez à creuser, lâchez pas l'affaire. Eh oh, eh oh. Interrogez le pilleur. D'accord. Parlez à l'ancien. C'est l'ancien, ça? Jean? Ouais, bon, ok. Pas de jugement, hein. Tu dois arrêter Earl. Va chez lui et ramène quelque chose, tu lui rappelleras son passé. Trouvez la maison de Earl. Ah, mais c'est peut-être lui, l'ancien. Voilà, ouais, ça y est. Ça me revient petit à petit quand même, hein, mais j'avais vraiment tout oublié. C'est dingue, hein. On oublie vite les petits events comme ça. Eh mec, d'accord, tes copines et ton frère sont morts pendant le raid, et alors, c'est pas une raison pour baisser les bras? Ok. Bien. Ici. Sur la photo, un jeune Earl pose avec une fille et un autre type. Ils sont tous habillés en armure noire et couverts de piques. C'est la même tenue que celle des pilleurs de la décharge. Ouais. Retournez au lieu de l'épreuve. Ah, il y a un coffre. Il va falloir quelque chose. Raisonnez, Earl. Earl! Je te raisonne. Bon sang de bonsoir, tu as raison. Bah, même ces gens-là peuvent changer. Eh oui, on change facilement. Allez. Heureusement que Earl a décidé de t'écouter. Bah oui, j'ai usé de bons arguments. Merde, je t'ai pas lu du coup, c'est pas grave. A few moments later. Alors, il est monté sur le toit le cheval ou pas du coup là? Non. Là, ça y est, ils l'ont descendu. Hein. Faites-le plein de la moto. Faites-le plein de la moto. Continue jusqu'à ce qu'il parle. Ah oui, ça y est. Ah oui, c'est rigolo ça. Vas-y. Moto remplie. Ok. Montez sur la moto. Et là, faut que je tourne en rond. Ben, faut que j'aille sur les trucs. C'est pour nous aider à conduire. Et puis moi, il y a besoin. Hein, surtout. Oula. Oh Dieu. Ah oui, mais. Vachement. Hop. Oh, comment je suis mauvais. Allez. Hop. Aïe. Ouais, bah le but c'est de te faire peur alors. Ouhou. Hein. Mission accomplie. Bravo. Arrêtez, ça suffit, je vais tout vous dire. Je vais apporter la caisse dans la grange, je vais vous montrer. Événement. Les informations obtenues auprès du pilleur capturé mènent à cet endroit, voire de l'autre côté, évidemment, de... Non, ça va. Grange brûlée. Courir. Putain, je me rappelle plus de ça. Grange brûlée. Bon. Allez. Du coup, je vais vous faire des cuts. Hein. Clairement, là, je vous avais dit dans la première vidéo que je vous ferais des vidéos de 5-10 minutes, et puis je m'aperçois que les trois premières ont duré chacune 20 minutes. Je vais essayer de raccourcir tout ça au maximum, mais bah, c'est pas forcément évident des fois. C'est pas évident. Hop. Donc là, du coup, bah, j'imagine que celle-ci va durer à peu près 20 minutes aussi, hein, avec les cuts qu'il y aura. On verra. Hop. Oula. Oh là là, il y a du monde là. On va prendre ça. Voilà. A few moments later. Ben ouais, mais il va me griller direct, le gars.
Ah non. Il m'a pas vu. Ah bah si, oui. Forcément, là, il m'a vu. Paf, paf. Voilà, il a même pas eu le temps de me taper. Paf, paf. Cra! 1, 2, cra! Cra! Tac. Bien, hein, si tu me le permets. Voilà. J'examine, mais oui, c'est examiné. Oula! C'est un géant. Il va me faire mal, lui, non? Ouais, je suis assez habillé, pour l'instant, en tout cas. Bon, bon, on va voir, hein. Attendez, je vais me mettre comme ça, 99. 50, oh la vache. J'ai pas un coin, là, pour le wall trick? Vas-y, là, là. C'est où? Là. Est-ce que ça, wall trick? Oui! Attends. Hop! Le bon vieux trick. Bah oui. Et voilà! Non mais oh! C'est qui le patron? A few moments later. Wow, heureusement que j'ai pas utilisé ma hache pour, pour aller me couper une lance. Oui, cette foutue cargaison, allez voir à l'hôtel. Oh là là, au sous-sol. Non, mais non, quoi. Nous voilà à l'hôtel. Et puis ben, on va aller s'ouvrir cette trappe. Fermée à clé. Entrez dans l'hôtel. Ouvrez la trappe. Et donc il faut que je trouve la clé. Ok. Allez, le sous-sol. Ouvrir la trappe. Ouh, parfait. Inspecter le sous-sol. Ouh, merveilleux. Ah si c'est le sous-sol classique, je suis quand même mal avec deux conserves. Hein. Bon, j'ai toujours les pansements, les bandages, mais si je pouvais ne pas les utiliser, ce serait quand même bien, quoi. Si je pouvais les garder. Ouais, on est un total full économie là. Ouais, ils font plus mal que ça d'habitude. Cra, carte B, je m'en fiche. Ouais, je vais prendre ça et ça. Hop. Mordeur rapide. Oh putain, mordeur rapide. Excusez-moi pour le gros mot. Je vais crever ici. Ah putain. Oui, je vais crever. Attendez, 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 non, non, au secours! Aidez-moi! Je vais mourir! Ah putain, je vais mourir. C'est sûr. Au revoir. Adieu! Monde cruel. Ah, puf. Donc j'ai fait ressusciter hein, pour se retrouver directement à la base avec le stuff que j'avais au moment où je suis mort. Donc j'aurais pu même carrément garder la bouffe que j'avais, hein, ça m'aurait évité de la perdre quoi. Allez, comment ils sont mis eux? D'accord. Bon ben allez, hein, on va les tuer. Ah mais il a repris sa vie là carrément. D'accord. Ça va mieux hein, avec un petit pied de biche quand même. Hein. Attends, il me dit ça pour ça? Tout ça pour ça? Fermé à clé? Quoi? Quoi? Et hop. Cra. Et le crasheur, c'est un crasheur, hein, il me semble. Ah, c'est un mordeur, tiens. Après, ça devient des crasheurs toxiques. Quoi? J'ai failli pas faire gaffe à ma vie. Tiki-tik, tiki-tik, tiki-tac. Voilà. Voilà. Donc là, il va me... Ouais, ok, il va se lever. Gros là. Vas-y, mais oh! Ah, bon, ça va. Ça va, ça va, ça va. Merci.
Mécano, parlez à Jen. Quelle journée, ah oui alors. Heureusement que tu n'as rien. Non, ça va. Viens me voir à la station essence et on parlera récompense. Emprunte le tunnel qui est derrière. Ok. Alors, fermé à clé. Bon. A few moments later. Allez, on continue. Donc là, très bien. On va retourner à la station. Allez. Ouais, je suis à la station. Comment c'est beau rencontrer Jen. Jen, salut! Cette caisse n'est pas facile à ouvrir, mes hommes vont s'en occuper pour l'instant. Allez, jetez un œil, et c'est la machine à sous. Tu vas voir, c'est chouette. J'ai pas de sous. Chopper requis. Bien. 5 minutes, Jen. Peut-être 5 de plus, on y est presque. Bon, attendez, parce que là, ça va, quoi, au bout d'un moment. Ben voilà, chapitre 5, mission 1. Allez, c'est tout bon pour aujourd'hui. On va s'arrêter là parce que voilà, la vidéo va être super, super longue. J'espère en tout cas ben, qu'elle vous aura plu. On se retrouvera pour le chapitre 5 ben, très prochainement. Et puis, ben, comme d'habitude, je vous dis donc à très, très, très bientôt. Ciao, ciao.